Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les druides, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, vous êtes en présence du Druid Tech et on se retrouve pour Subnautica sur Nintendo Switch. Donc, on va faire annuler, voilà. On va présenter le jeu ensemble, on va voir un peu ce que ça donne. Il est disponible sur pas mal de supports. Voilà. Donc Subnautica, c'est quoi? C'est un jeu vidéo de survie et d'aventure qui était déjà sorti à l'époque en 2014 et on le retrouve maintenant sur Nintendo Switch, sur Xbox, sur PlayStation, enfin je crois PlayStation, je suis pas sûr, mais à l'époque sur PlayStation 4 il était disponible. Du coup ce jeu est disponible au prix de 29,99€ sur l'eShop. Voilà, moi j'ai pris en version démat, tranquille. Je sais pas s'il y aura une version non démat à voir, WASNC. La taille du jeu installé sur la micro SD fait environ 5 Go 3, classe d'âge PEGI 7, au niveau des langues allemand, anglais, espagnol et tralala, le français est inclus, et le jeu est sorti depuis le 14-5-2021. Allez, c'est parti. Jouer. Commencer une nouvelle partie, survie, libre, extrême ou putain, créatif. Naufragé dans une autre planète, extraterrestre, trouvez votre maison, votre faim, votre soif pour survivre, vivre comme le monde, mais sans faim ou soif. Mode survie avec une seule vie, oula. Ouais, peut-être pas extrême, mais on va mettre en mode survie pour éviter que le jeu soit trop monotone. Voilà, tout simplement. Subnautica est un jeu d'aventure sous-marin basé sur une planète océan alien, un vaste monde ouvert, plein de merveilles et de périls vous attend. Plongez dans un vaste monde sous-marin, récoltez, fabriquez et survivez, construisez des habitants. Des habitants, construisez des habitats sous-marins, dévoilez le mystère, perturbez la chaîne alimentaire et supportez la pression. Le jeu est aussi disponible sur Xbox Series X ou S, enfin X et S quoi. Donc n'hésitez pas à le prendre si vous êtes sur Xbox. Là, je l'ai testé sur Switch parce que je voulais voir un peu ce que ça donnait sur Switch. Je voulais pas tester directement sur ma Xbox Series X. Quoique, si le jeu, je le kiffe, je le prendrai sur Xbox aussi. Et du coup, il y a aussi un autre qui est sorti, je le ferai un peu plus tard. Le Below Zero. Donc on verra après cet épisode. Puis sur n'importe quelle touche. Putain, ça a bien pété là. Donc jeu de type FPS à la première personne. Ah, le petit son derrière, il fait plaisir, franchement. Ok, on le prend et là je pense qu'on peut éteindre. Ouais, ça fait fort. Ouais, je brûle. Je me suis brûlé. Ouais, nickel. Donc attention, nanana nanana. Oh, une tablette tactile. J'ai pu un peu de damage là. Mais j'ai bien aimé le petit son derrière, un peu techno là, tranquille. Donc là, je commence le premier épisode avec vous sur YouTube. Tranquillement, chill, détente. Si vous voulez qu'on aille plus loin sur ce jeu, on peut se retrouver soit sur YouTube Live, soit sur Twitch en live aussi. C'est vous qui décidez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ok, appuyez sur moi pour ouvrir le PDA. D'accord. On s'en fout. Ok. Sélectionner pour les déplacements. Parfait. D'accord, ok. Donc là, avec le Joy-Con de gauche, avec les flèches directionnelles, ce qui me permet de prendre l'extincteur ou pas. Tout simplement. Donc je sais même pas s'il y a. On va voir. Donc là, on a une fusée éclairante, on a de l'eau. Bah ouais, parce que du coup, en bas de votre écran, donc en bas à gauche, vous avez l'eau 2, donc l'oxygène. On doit avoir la vie 61, parce que je viens de me faire cramer comme un con. 47, ça doit être la nourriture. Et 85, c'est l'eau. Donc on va le voir tout de suite. Donc ZR pour déplacer.
Et on va prendre une barre de nutrition. Voilà. Donc si je rouvre, non, on va y arriver. Donc c'est moi. Donc là, si je prends de l'eau, je consomme, je suis arrivé à 100. Et là, voilà, si je mange, je suis arrivé à 121. C'est impeccable. Donc là, je pense pas que je puisse fabriquer grand chose, mais on peut aller voir. Matériaux de base, ok, alimentation, équipement. D'accord. Donc, c'est ma première game. Je découvre comme vous. On verra un peu ce que ça donne. Titane, d'accord. Titane, de matériel de construction de base. Ok. Du caoutchouc en silicone, le verre, quartz, de la javel. Javel, sodium pour utilisation sanitaire. De l'électronique, de l'eau. Ok. Passe, attention, système hors ligne. Là, j'ai le kit médical, justement, je viens de me faire cramer. Bon, bah, impeccable. Donc, j'appuie sur moi. Toujours pareil, LR, tup tup tup, et là je peux me soigner, voilà. Vous avez subi de légers traumatismes crâniens, regardez de votre situation avec un résultat, ce BD va redémarrer, ok, comme ça c'est bon. Donc là, fabrication de kits médicaux. Utiliser un outil de réparation. Ok, alors pour un outil de réparation, déployable, ressources, personnel, outils. Scanner, outil de réparation, il faut cartouche en silicone, soufre de cave et titane. Ok, donc là, caoutchouc en silicone, soufre de cave et titane. Donc moins. Regardez. Ok. Et ça, titane. Caoutchouc silicone, donc ça c'est la fleur, donc il va falloir une fleur. Bon, du titane c'est des objets. Ok, il va me falloir une fleur et du coup, je me rappelle plus. Ok. Caoutchouc en silicone, soufre de canne et titane. Donc du caoutchouc en silicone, du soufre. Ok, donc il va me falloir du soufre. Échantillon, d'accord, mais je sais pas comment j'ai trouvé du soufre, mais bon, on verra. Ok, bon, on va voir. Allez, escalader. On va voir un petit peu ce que ça donne. Oula. C'est parti, début de l'aventure, donc ça c'est un vaisseau qui s'est crashé. Donc le jeu parle en anglais, mais par contre... Ok, super. Bon bah alors, en tout cas ça a l'air d'être super propre hein, quand même. Là, hop. Je récolte, on verra. Mauvais ordre putride, d'accord. Donc en bas j'ai ma jauge d'oxygène là. Du coup bah pour l'instant j'ai rien donc tranquille hein. Je pense qu'on va faire plusieurs allers-retours. Pas trop s'aventurer. Copper is an essential component of all powered equipment. Le cuivre est un composant, ok. Non, j'ai pas pris là. Par contre, il faut que je remonte vite fait. Donc, je vais crever. Voilà. Continuer, on va voir. Ok, j'ai un poisson avec moi. C'est super. On va voir un peu ce que je peux faire avec ça. Pas grand chose peut-être. Qu'il est pété. Hop. Oh, de la ressource. Ok.
je peux faire du filtre. Impeccable. Donc là, à mon avis, je peux le manger. And internal organs, thus rendering them safe for human consumption. J'ai vu que je pouvais fabriquer autre chose aussi, je crois. Oh, mais non, la salaison, il me faut. Ah, je sais pas. Non, j'ai pas de. Ouais, quand c'est pas. Quand c'est comme ça, je peux rien faire. Matériaux. Ça, je peux, je crois. Pile. Je peux faire une pile. On verra ce que ça me sert. Batterie haute capacité. Okay, super, j'appuie sur moi, hop, et du coup j'ai récupéré ça. Ok, là j'ai du quartz, titane, non, du titane, j'ai du quartz, j'ai une pile, un extincteur, des champignons. Je pourrais en faire avec les champignons, je crois. Donc, je peux le consommer, nickel. Hop. Caoutchouc en silicone, titane. Il y a une épave. Ok. Un rôdeur. Ouais. Capture d'écran dans le PDA, d'accord. J'ai cru voir quelque chose tout à l'heure. Ah, ça, il m'en faut. Je vais pas trop traîner. Parce que j'ai pas envie de vous mourir. Et franchement, le jeu, il est super beau. Même sur Switch, il est super beau. Là, j'ai un truc. Ouais, je peux rien faire pour l'instant avec, on verra. Ok, donc pour prendre là j'appuie sur 1, hein, vous le voyez. Là, je peux pas prendre, je sais pas pourquoi. Là non plus. Ok, je peux pas tout prendre. Ah, ça par contre l'oxygène ça va être chiant. Mon vaisseau est là-bas. Et il fait déjà nuit. Ah oui, d'accord, mon inventaire il est déjà plein. Putain, c'est pour ça que je pouvais pas en prendre. Tout simplement. Donc là, je déplace tranquille, j'ai assez de nourriture. Là, j'ai du titane. Bon, j'ai du lubrifiant. Super. J'en ai combien du lubrifiant là? Alors, personnel déployable. Titane x4. Alors après, pour l'instant j'aimerais bien construire équipement, outils, couteau de survie. Ça peut être utile. Soufre de cave. Il manque plus que le soufre de cave. Je sais pas où je vais trouver ça, mais il faut que je trouve le soufre de cave.
Putain, là par contre il fait nuit. Hop. Donc qui dit la nuit dit rôdeur, je suppose. J'ai pas regardé mon inventaire, mais du coup, ouais, ça va, j'ai mon restaure. Là, j'ai du quartz. Faut que je trouve du soufre. Merde, je suis mort. Non, je suis pas mort, je croyais. Merde, je suis perdu. Ouais, je vais mourir. Bon, bah, première mort. Fallait bien une première mort. Ok, donc il commence à avoir faim et je sais pas si j'ai ce qu'il faut. Quartz silice pour former de la cristalline. Ok, par contre il va falloir que je trouve de quoi manger parce que bientôt je vais avoir faim. Merde, je peux réussir à le choper. Donc là j'ai des pochons, on va voir ce que ça va donner. Ah merde, par contre tout est plein. Faut que je retourne au vaisseau, voir un peu ce que ça donne. Merde. Mais sinon franchement il est vraiment beau. Je m'attendais à pire. Poche d'air. Dispositif de flottaison d'urgence. La réaction chimique produit du gaz plus léger que l'air pour obtenir une flottaison personnelle. D'accord. Non, c'est pas ce que je veux pour le moment. Équipement. Je peux faire un réservoir d'oxygène. Déjà, c'est bien. Une chaîne de tuyaux peut être utilisée pour transporter de l'air respirable depuis une pompe. Pompe à air flottant. Dispositif flottant qui pompe l'air des tuyaux. On va déjà fabriquer ça, après on verra. Ok, et là j'ai vu qu'on pouvait faire... Ah, je peux faire de l'eau avec des pochons. Bien. Et du coup, donc avec les pochons, je peux faire ça. Très nutritif. Ok, bon, je vais pouvoir les manger. Par contre, c'est le soufre, il faut que je trouve le soufre. Voilà, bon, salaison, il faut trouver du sel. J'ai pas le choix. Ok, super. Donc là, j'ai 30 secondes d'oxygène, ok. Impeccable. Il y a des trucs que je vais poser parce que je vais avoir un peu de... Si je fais un petit peu de place. Voilà. Et il faut que je trouve le fameux truc là. Du soufre, je sais pas quoi, je sais pas où c'est. Ah, 60, déjà c'est un peu mieux. Je peux nager tranquillement. C'est beau quand même, hein. Pas dire sur Switch là. Bon, je suppose qu'il est mieux sur Xbox Series X. Mais déjà là. Permet de visiter un petit peu là. D'accord. Je peux pas trop m'aventurer. Je vais m'aventurer un peu plus quand je vais remonter. Là, je vais remonter à la surface et on verra après. Par contre, j'aime. C'est vraiment de child détente. Hein. Y a rien à dire là-dessus là. Oh, la petite musique derrière, franchement, elle fait plaisir.
Elle est super badass. Bon, on va continuer à farmer un peu. Hein. Hop, comme je vous l'ai dit, épisode détente. Child, hop. Je sais pas ce que j'ai récupéré là, mais ça doit pas être du soufre, si. Minerai de cuir, non. Je sais pas où on va trouver le soufre. Je fasse attention à mon oxygène quand même. Ah. Ça va, j'ai encore le temps, non? C'est magnifique. Rien à dire. En plus, l'avantage de l'avoir sur, sur Switch, merde, c'est que tu profites de la portabilité. Ça, c'est nickel. Par contre, je sais pas où j'ai mis mon vaisseau. Bah, elle est là. Donc là, niveau santé, tout est bon. C'est super. Mais je sais pas où je vais trouver ce satané soufre. Ok. Bon, mais c'est pas ce que je veux. Toi, je peux faire du verre, la javel, caoutchouc. J'ai déjà transformé ça en verre, on verra bien après. Clac. Ah oui, la salaison, mais pourquoi il va... Je peux pas, j'ai pas de personnel, équipement. Ouais, ça me sert à rien. L'extincteur, pour l'instant, ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Là, le couteau, je l'ai. Poche d'air, dispositif de flottaison d'urgence, réaction chimique, ok. Soufre de cave. Je sais pas où j'ai trouvé ça. C'est embêtant. Parce que tant que j'ai pas ça, je peux pas réparer mon vaisseau. Là, il y a des trucs à ramasser, je suppose. Super. On est à 21 mètres et on découvre. Avec le couteau, je vais pas faire grand chose. Je pense pas que ça soit là-dedans. Ah, y a un truc. Qu'est-ce que c'est? Non, on descend pas trop. Ah. Oh là là. 30 seconds. Je sais même pas ce que j'ai récupéré. Minerai de cuivre. Minerai de cuivre. J'ai toujours pas de soufre. Hein. 2 minutes. Là, ça s'est ramassé. Oh, j'adore la musique. Tout, tout. Ok. Bien. On va remonter et on va redescendre après. On va aller voir par là. Oh merde, je me suis fait croquer, putain. Oh mon con. Je fais pas de mal là. Ouais, des bulles.
sulfur deposits in the local cave systems. Sulfur is an essential component of the repair tool. Ah d'accord, donc c'est Zedder pour l'utiliser. Ah je récupère de l'oxygène, impeccable. Ah maintenant je sais comment on l'utilise avec Zedder. Ah un petit peu dur à manœuvrer là, vite fait. Que je trouve du soufre. Et où je vais trouver mon soufre? Ah, mais arrête de me péter à la gueule, c'est bon. Je vais crever, moi, pure connerie. Ah, ça va, il y a pas mal de terre là. Ah, j'ai dû me taper ça tout à l'heure. Par contre, je trouve pas le soufre. Je sais pas où c'est. Peut-être aller plus loin dans l'aventure. Je continue de farmer, on verra bien. Ah, fragment du Simos. Parce que c'est un Simos, on verra. Je sais pas ce que j'ai pris là, mais... Ah, des pots de sel, je vais pouvoir saler les poissons et tralala. Là, si j'arrive à avoir du poisson, hop. Merde, j'en avais un là. 30 secondes. Pas trop joué. Putain, c'est immense hein. Juste vite fait l'arrêt. Pff, oh là 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 là. C'est énorme. Ah, j'ai pas mourir une deuxième fois quand même. Je remonte. C'est bon, j'y suis là. Oh la musique, mais elle claque à mort. Mon vaisseau est là-bas. Si je pouvais pêcher en poisson, parce que bientôt j'ai plus avoir d'eau. Putain, les monstres qu'il y a. Je m'étais bien éloigné quand même. Comme un dauphin, le flic. Merde. Oh putain, allez, viens par là, toi. Il va me faire chier ce poisson. Je sais pas réussi à en avoir comme je veux. Je me rappelle plus du tout. Il y en a un qui est bon. Ah non, c'est le violet là qui est pour faire la bouteille d'eau. Bon, prends-le. Non, tu veux pas le prendre? Ouais, c'est bon. Il y en a un gros là. Donc. Oh merde. Ah, j'ai été touché par quelque chose. Je sais pas quoi, mais j'ai été touché. Je pense que c'est le gros poisson qu'on a vu tout à l'heure là. Ok. Bon, en plus, il me laisse mes vivres et tout. Impeccable. Non, on va faire à manger. Voilà, impeccable. Mais je peux toujours pas. Tant que j'aurai pas trouvé le soufre, je pourrais pas. Je pourrais rien faire.
source de lumière à usage unique, ok. Vert, titane, minerai d'argent. Ah ouais. Je suis pas prêt de l'avoir ça. Des palmes. Caoutchouc en silicone x2. Je crois que du caoutchouc j'en ai déjà. Caoutchouc silicone, ouais. Ah ouais, j'aimerais bien. Dans les grottes environnantes, le soufre est un composant essentiel à l'outil de réparation. Ah mais ça je suis entièrement d'accord. Hein. Là, il y a pas mal de choses là déjà. Donc ça, ça vient de ça. On va déjà se faire des palmes, tiens. Merci, là. Et puis on verra pour descendre, parce que là du coup, pour l'instant, j'arrive à rien. Je suis déjà mort deux fois. Et puis vu les monstres qu'il y a, ça pue un peu. Hein. Bon, bah là, je vais pas essayer de l'avoir. Retourne là. Bon, il me reste encore de la place. Là, c'est celui-là qu'il me faut pour de l'eau, je crois. Ah, le violet, là. Voilà. Ah, merde. J'adore, il tient le poisson comme ça, impeccable. Ça fait une bouteille d'eau, non? Ah non, ça se mange. Bon, ok, ça se mange. Se manger, calorique, d'accord. Graines de vigne d'or, hein. C'est ce que j'ai, hein. Ouais, c'est ce que j'ai. Et normalement, je peux fabriquer des palmes maintenant. Ouais, nickel. The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. For your safety, this setting cannot be overridden. Kit de soins. Scanner, outil de réparation. Ah, il faut faire quoi un scanner? Une pile et du titane. Pile et du titane. Une pile, j'en ai une. Il a fabriqué une tout à l'heure. Normalement j'aurais pouvoir le fabriquer là. Un scanner. Scanner. Scanner les plans de différentes technologies et données. Et les données sur les organismes. Okay. On verra ce que ça donne. Et normalement j'ai eu. Hop, où je suis bien équipé de palmes. Voilà, nickel. Nickel ça. On est dans la nuit, on verra. D'accord.
self-scan complete. Vital signs normal. Continuing to monitor. Ah ouais, c'est plus... Semblant... Du coup, avec des palmes, c'est vachement mieux. Ah, c'est ZDR, d'accord. Nickel. Faut vraiment que je répare ce machin là. Là j'ai du titane. Encore du lubrifiant. Là j'ai plus rien. Je peux faire une pile au cas où, si on me demande tout à l'heure. Une bouteille d'eau, très important pour tout à l'heure aussi. Impeccable, on a un peu de nourriture. Armoire imperméable, petit stockage. Maintient sa position dans l'eau. Ok. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. C'est surtout ce putain de souffle que j'aimerais bien avoir. Je trouve le soufre. Ouais, on va éviter de tout le temps monter. Allez, faut qu'on trouve ce soufre. Je crois que c'est lui qui m'a attaqué tout à l'heure. Le soufre plein de bon, c'est pas des géodes. Oh, c'est bon, j'ai juste d'aller dans l'eau là, pas abusé non plus. Allez, c'est reparti. Où est-ce que ça va être, à votre avis? Dites-moi où ça va être. Bon, dites-moi ce que vous en pensez aussi, hein. Franchement, il est trop badass. Je kiffe. Oh merde. Vas-y, casse-toi, là. Continued degradation of the Aurora's drive core may result in a quantum detonation. Continuing to monitor. Je me fais attaquer, moi, un truc chambé là.
Ouais, je vais pas mourir encore. Par contre, je me fais salement amocher là. Short range scans suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. Où est-ce que ça va être? Par contre, je vois pas du tout où ça va être. Le truc tombe comme ça là, je sais même pas ce que c'est. 30 seconds. Ah, c'est des flotteurs. Forme de vie indigène. Faut pas les prendre? D'accord, des cailloux flottants, impeccable. C'est quoi ce machin là? Oh, le gros poisson dégueulasse! Ça, c'est du sel. Ça va servir. Les bruits dans la mer, c'est pas trop encourageant. Putain, je me fais arracher par un poisson quoi. Piranha le bordel. En train de me bouffer les corones. Alors. Voilà, qui est fait. La musique, franchement, elle tape à mort. C'est pas ce machin là, là. Je peux pas l'avoir. Lui, par contre, il peut me défoncer. Ah, il peut me défoncer, mais moi, je peux pas le défoncer. Ouais, quand j'aurai un pétard, je viendrai lui péter les reins. A pu me le donner quand même, non? Ah! Sauvegarde dans le PDA, mais je m'en fous de la sauvegarde dans le PDA. Ce que je voulais, c'était le poisson. De corriger, hein. D'accord, ça va pas me mener bien loin ça, cette affaire. Parce que j'ai toujours pas trouvé ce que je voulais. Ah, je pensais le voir, ça me saoule. Allez, on monte avant de mourir.
On redescend tranquille. Putain, je prends cher là. Il va pas me lâcher le morceau, bordel. Hein. Là, j'ai du cuivre. Allez, on y va. Merde. Oui, il y a un méchant là. On a déjà bouffé deux fois. Ah putain, j'ai plus de vie. J'avais pas vu. Pas drôle ça. Alors titane, barre condensée. Ok. Ça se servira tout à l'heure, tranquillou. Putain. De cuivre. Impeccable, un pochon d'eau. J'ai rien pour me nourrir. Faut que je... Non. Tout ce qu'il faut pratiquement, sauf putain de souffle. À manger, faut que je trouve à manger aussi. Pour l'instant, c'est pas trop. Voilà. Putain. Viens par là, toi. New creature discovered. Je trouve le soufre, ça serait bien. Oh merde, je suis mort. J'ai pas vu avec le poisson là, j'ai pas fait attention. Donc nous avons peut-être un petit peu à manger.
Impec. Alors, minerai. Des pots de sel, ok. Au niveau de maniabilité, il n'y a rien à dire, hein. C'est assez pratique, après faut prendre la main quoi. C'est pas non plus archi dur. C'est quoi ça? C'est du sel? Bon, le couteau, pour l'instant je l'ai, mais il sert pas à grand chose. A common complication for cave divers is loss of orientation, followed by eventual asphyxiation. Ah, j'ai trouvé de l'or, je crois. 30 seconds. Ah, ramasse l'or alors, non? Wiring kits are an essential component of many habitat modules. Je vais mourir. Merde. À quelques centimètres. Bon, j'ai trouvé de l'or déjà. Ah, par contre côté nourriture, il va peut-être falloir que je me bouge le fion. Une lampe torche. Peut être utile. Ouais, on va essayer de trouver à manger aussi. Même je suis pas monté à bord. Voilà. Je sais même plus où j'étais tout à l'heure. Là. J'ai trouvé de l'or. Ok. Ça me servira après. Il est con lui. Ouais, c'est quoi ça? Ouais, par contre j'ai pas envie de mourir. Temps de rôdeur. Oh, je me fais bien croquer à chaque fois quand même. Hein. C'est chiant. Pas le prendre pour pas la blague. Peut-être falloir que je me trouve un sac, un truc du genre là. Je sais pas comment on fait. De l'eau, mais moi c'est à manger qu'il me faut.
Bah non, bah j'ai pas trouvé à manger. Graines de vigne d'Odin, outils de repérage des poids, un disque de marquage holographique utilisé pour la cartographie en chemin de sortie des cavernes. D'accord. Puis éclairant, constructeur d'habitat. Minerai d'argent. Okay. Par contre, ça prend vachement de la place. En décomposition. Ah. Ah, si je le consomme, c'est pas terrible. Ah, si. Bon. Ah, tant mieux s'il le mange. Je le prends, hop. Y a plus qu'à trouver notre. Donc là, on a dit qu'on allait par là, je crois. Ouais, c'est ça. On n'a pas fini d'explorer par là. Parce que c'est. Fragment de véhicule. 1 sur 3. Je sais pas ce que c'est. Allez, on remonte. En plus, il refait jour là. Moi, qu'Archibald, il me fasse chier là. Là, il y avait quelque chose là-dedans? Ouais. Sur deux. Bon. Il y a des caisses un peu partout. Là, on prend. Mais il y avait rien là. Vingt-quatre, on remonte et on verra bien après. Oh, c'est beau, j'ai pas envie de mourir encore une fois. Faut juste ce truc de soufre là pour commencer le jeu correctement. Du petit poisson. 9 de créatures, ouais. C'est une omelette quoi.
J'arrive. Quelque chose. Je crois que mon inventaire il va bientôt être plein. Non, c'est là. Femme de vie indigène. 30 seconds. Warning. Local radiation readings suggest the aurora's drive. Attends, okay, okay. Les détonations quantiques surviendra dans 2 heures. Quantum detonation will occur within 2 hours. Okay. Oxygen. Non, je vais pas mourir, non. Nickel. Bon. Sachant que je ne trouve pas le dernier truc qu'il me faut, ça va être compliqué. Là j'ai de l'or, minerai d'argent. Ah, minerai d'argent? Du coup je peux construire des trucs. Oxygen. Par contre, j'ai hâte d'avoir une plus grande capacité. Là ça va être chiant sinon. Là il n'y a rien par là. Hop. C'est quand même dingue de pas trouver ce qu'on veut. Casse-toi, je t'ai dit. Mais merde. Merde, y a rien. Oh, je suis pas mort, la chance. La grosse chance. Bon, inventaire plein. Eh ben c'est mort. Il n'y a plus qu'à retrouver le vaisseau. Puis on verra pour le reste. Je voulais mon vaisseau. Il est là-bas. On y va tranquillement. Ah non, inventaire plein, il va. Ah non, quoique. Ah là. Voilà.
continue. Bon, la vie c'est bon. Du coup là j'ai recyclé ce qu'il faut. Ouais, du lourd. Kit de câblage, fil isolé, composants électroniques essentiels. Ok. Sponge Dieu. Ah merde, c'était de l'eau qui me fallait. Ah, c'est ce machin là. Oh, fais chier, on va pas y arriver hein. Amour imperméable. On va en faire une, comme ça on va essayer de. On va commencer à stocker un petit peu. Il va me falloir de l'eau. Kit de câblage, fil isolé, composant. Je sais pas. Ah oui, ça. J'ai pas tout compris là ou quoi? Ah oui. Ouvrir le stockage. Voilà. Et du coup on va mettre ça. Oh, j'ai déjà blindé. Ok. Du coup, voilà. Faut que je retourne dans les grottes, essayer de trouver ce truc là. C'est peut-être de l'acharnement. Hein. Ça farme, ça farme. Y'a rien par là. Par des beaux poissons, c'est tout ce qu'il y a. C'est déjà pas mal. Que je viens de voir. Là, il y a du cuivre. Du plomb, nickel. 30 seconds. De l'or, du quartz, mais pas ce qu'il nous faut.
oxygen. Oui, j'y vais. Non, tu vas pas mourir. C'est pas possible. Alors pour farmer, on farme. Comme on trouve pas ce qu'on veut. 30 seconds. On continue. On verra bien. Oxygen. Ah, les trucs là, je sais même pas ce que c'est. Le truc juste à côté de mon bateau. D'accord. Se planquer dedans, c'est nickel. Peut-être falloir que je m'occupe de l'eau aussi, accessoirement. Putain, on s'en fout de ça. Outil de repérage, déploie un disque de marquage holographique utilisé pour cartographier un chemin de sortie de caverne ou autre espace. Mais c'est ça qu'il me faut. En caoutchouc en silicone, j'en ai. Soufre de cave, j'ai pas. Et je sais même pas ce qu'il me faut pour faire déployable. Ah oui, ça je peux. Du coup là j'ai pas le choix. Il va falloir que j'aille chercher de l'eau. Ça va être la mission de tout de suite. Donc pour de l'eau. Une voiture là, eau filtrée. C'est ce machin là. Pochon. Pochon, pochon. C'est parti, on va essayer de trouver un peu d'eau. Dingue. Impeccable. Je vais pouvoir boire un peu. Je suis pas trop faim pour le moment. Ouais, merde, il va m'en falloir la dose.
Je fais rien, je suis au-dessus de l'eau là. Emergency. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical state. 80-10, 9, 8, 7, putain. 6, 5, 4, 3, 2, boom. Moi j'ai fait le capture dans le PDA, super. Il s'est passé quelque chose. Putain, il est où? Ah ouais. D'accord. Ok, machin il a pété. On est dans la merde. Pas mal de poissons pour attirer les poissons. On va essayer de choper celui-là pour avoir les pochons d'eau. Je l'ai, ouais, je m'en fous. Donc, du plomb x2 et des mailles de fibre. Ok. Comme ça, on aura de l'eau. Ah, oui, c'est vrai. En fait, on va pas avoir masse d'eau. Faire ça et on va boire tout de suite et on va manger comme ça on va être tranquille. Voilà. Pourquoi de maille de filet ou je sais pas quoi là. Je sais pas si on l'a ça. Là, ça. Ah c'est ça. Ça je peux en avoir. Et j'ai du plomb encore en plus. Le truc de réparation là, relou quoi. Non, attends, c'était ça qu'il me fallait. Ah oui, il faut que je crée de la maille de fibre, ok. Je vais pouvoir m'équiper. Impec. Normalement, je suis équipé. Impeccable. Ouais, j'ai même les gants et tout. Trop bien. On commence bien, mais il manque toujours un petit truc. Là maintenant j'ai des gants et tout, je suis tout beau. Niveau haut tout ça c'est bien. Attends, je peux les visiter les machines.
veux que je fasse? J'ai qu'un pauvre couteau. Oh, je m'avais pas John Rambo, moi. Oula, texture noire là, pas terrible. Bah ouais, mais il faudrait peut-être que je trouve mon truc alors. Là-dedans, il n'y a plus rien. Je veux bien farmer, hein, mais à un moment, il va peut-être falloir commencer à développer le truc. Là-dedans, il n'y a plus rien, je crois. Ouais, je l'ai fait tout à l'heure. Enfin, je crois. Putain, le clipping là, truc de dingue, truc qui arrive au fur et à mesure. C'est quoi ça? Un œuf de créature, ouais, moi je les prends. C'est jamais. Corail de cerveau. Voilà, la musique elle est énorme. Nickel. Un boomerang. Ouais, bah voilà. Oh merde. Voilà. Et merde. Faut pas être tranquille, hein. C'est chiant, on peut pas être tranquille quand on veut. Oh là là, le gros fou là. J'ai de l'argent. Continue de chercher. Enfin, de chercher, on a trouvé, hein. Encore. Mais j'ai rien fait. De l'oxygène. On continue, on continue.
30 seconds. Ouais, 2 minutes. Ah. Deux sur trois. C'est bien déjà 2 sur 3. Encore un pied. Alors monte tout doucement. Donc, on était là. Ok. Petit peu de cuivre. Je crois qu'on va avoir un problème, mon capitaine. Inventaire plein, c'est dommage. Ah oui. Attends, attends, j'ai vu un truc. Merde. Non, là, tu vas pas mourir. Impossible. Ça me dit pas où il y a du soufre. Le soufre, non, généralement on peut en trouver où il y a du volcan. Ça se mange, ça? New creature discovered. Je sais pas où je suis. Oh merde. C'est dur. Hein. Alors, on va y aller là tout doucement. Pourtant il a pas faim. Que c'est vachement plus dur de nager là, je sais pas pourquoi. Bon, oh, le délire, c'est quoi ça? Oh, truc de taré. Qu'est-ce que c'est que ça? Énorme. Il veut pas me scanner. Non, pas moi, je m'en fous de moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, il y a des frises là. Je sais pas ce que c'est, mais putain, c'est énorme. Moi, le délire.
Bon bah tout a été numérisé, impeccable. Je vais pas trouver mon bonheur là-dessus, mais bon. Ça fait un bruit énorme. Putain, j'étais à 500 mètres là. Je m'aventure vraiment n'importe où. Ça fait un peu loin 500 mètres quand même. Nuit, oh là 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 là, ça craigne un peu là. Hein. Non, y a rien. J'y suis allé là tout à l'heure, je crois. Là-dedans, il n'y a rien non plus. Pas des débris. Ah, de l'eau, je sais pas si j'ai de l'eau par contre. Je crois que je vais manquer l'eau. On va retourner au vaisseau et puis on va se prendre de l'eau après. Non, prends-le là. Oh. Oups, 3%. Tu vas pas mourir. Pas cette heure-là. Allez, c'est bon, c'est reparti. Oula. Jolie couleur là, hein. Allez, on va se restaurer. On va faire une bonne balade. Par contre, je crois que je peux récupérer ça. Nickel, on va déjà prendre ça. Ah, j'en avais deux. Je sais pas combien j'en avais pris, un ou deux, un seul, merde. Très nutritif, voilà un truc de bien. Impeccable. Ouais, il en reste un. Puissance de quoi? D'accord. Ok. Le titane. Pourri, ah merde. Bah non, je peux le consommer justement. Comment on fait pour s'en débarrasser? Puissance 35 sur 75, ouais, je veux bien, mais
pourrais-je pas voir ça? Ah écoute, si je peux le faire, je le fais. Hein. Il manque du titane x4. Enfin 2 x4. C'est du titane là-dedans. Non. C'est bon. Il va y avoir du titane dans le coin. Ça c'est quoi ça? Des pots de sel, des pots de sel. Genre si avec les lingots ça peut le faire, mais je suis pas convaincu que ça puisse le faire. Un titane x4 il faut. Pas des lingots, juste du titane. J'en avais un autre là. Ah c'est du quartz. Putain j'ai pas de titane. Plomb, cuivre, cuivre. J'en ai que 2, il m'en faut 4. C'est joli. Oxygen. Dès que je retrouve 2 titanes, hein, ça le fera. On va voir si ça va repopper un quelque part. Du titane. Là je crois que j'en ai eu un. Ouais, titane. Encore un, puis c'est bon. Après j'aurai la grosse cartouche, comme ça je pourrais bien plonger comme il faut. Pas aller voir le poisson. Il est sous ma gueule, je crois. Et voilà, c'est bon. Je peux faire la grosse cartouche. Merde. Essayer de choper les poissons là. Celui-là, surtout. Celui-là, il m'intéresse pour la flotte. Voilà. Là, pour manger. Alors on va faire la grosse bouteille d'oxygène, on va être tranquille après. Parce que là, on va pouvoir plonger correctement et peut-être aller chercher ce qu'il faut. Peut-être. Comme je trouve pas le truc à soufre là. Ouais, je farme un peu de nourriture. Sur 76 sur 75. Et voilà. Avec ça, je vais être tranquille. Et voilà, là je vais avoir plein de bouteilles d'eau maintenant. Dommage qu'on ne puisse pas tous les mettre au fur et à mesure, ça aurait été bien ça. Donc là c'est vraiment de la survie au début. Hein.
Impeccable. Ah, niveau bouffe, ouais, je sais pas trop. Hop. Nickel, j'ai une bouteille d'eau au cas où. Ah, moi ouais, ça j'ai pas. Armoire imperméable, ouais, ça je l'avais, titane. Ça c'est fait, les palmes c'est fait, ça je m'en fous. Ah ouais, il m'en faut du titane et le soufre de cave. Du coup maintenant j'ai une grosse bouteille. 135. Ah nickel. Plein de trucs là. Du quartz, là, j'ai vu qu'il y avait un truc là. Du titane. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai entendu des trucs chelous. Charmant. Complètement pété le machin là. En plus ça donne rien ça. Ah ouais c'est ça, merde. Oh d'accord. Depuis tout à l'heure je cherche. Il y en a là. Du coup j'ai mon réparateur maintenant. Non. Le soufre de cave c'est là. Bon bah c'est parti, on va pouvoir y aller. C'est joli. J'ai un peu de mal par contre là à nager, c'est chelou. Ça allait plus vite tout à l'heure. Peut-être le titane qui va me manquer par contre. C'est certainement ça qui va me manquer maintenant. Alors, dépôt de scène, titane, ok, ça j'en ai. Le titane va me manquer. Voilà toi. Je vais t'arracher la... Tu vois quand j'aurai mon pétard, voilà. Ah là, il y a un truc. Ou pas. Là, c'est un fail, là. C'est un gros fail. Ah, il y a une dent. Ok, oh, par contre le clipping c'est vraiment dommage. Allez, mon vaisseau. Mais je crois que de titane il en faut les deux. De mémoire. Équipement. Ah non, le réparateur c'est bon. Impeccable. Et eh bah ben c'est enfin fait, j'ai enfin mon réparateur. Putain, il était temps. Hein. Ça, je peux tout réparer. C'est vraiment magnifique. Oh là là, ça fait plaisir. Rescue operation will be dispatched to your location in 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other lines. Ouais, dans 9 heures, bah d'accord. On a le temps de crever quoi. Fusée éclairante, j'en ai pas besoin.
Là pour l'instant je peux pas faire le cyclide et tout ça parce que j'ai pas. Du coup est-ce que je peux construire un autre truc circuit intégré 300 000. Je me pose ce qu'il faut pour un circuit intégré. Pile, ok. Batterie haute capacité. Échantillon de corail plat. Ah ok. Or, fil de cuivre, ok. Pour un, je trouve du corail plat. Du coup. Du coup, maintenant, il faut vraiment que je trouve les plans pour le cyclide et machin truc là. Je n'ai pas le choix. Ça me vient depuis tout à l'heure chercher alors que c'était devant mes yeux. Bon, en nourriture, en soi, on est bien. Métallique. Il n'y a plus qu'à aller chercher les autres plans. On va bien trouver. Hein. Voilà. On va pas y aller. Oh, le bâtard. Je crois qu'il vient de me faire chier quand je suis occupé. Ah, oh, pourquoi il veut pas? Donc j'ai le cyclide. Nickel. Il ne reste plus qu'à voir comment je vais le fabriquer. Certainement me manquer certaines choses. On va voir. Je sais que j'avais deux caisses, mais je sais pas où. Ah, il y en a une là. On va rentrer là, t'inquiète. Le vaisseau est réparé. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'il faut pour le cyclide? Il faut du titane, un lubrifiant et une pile. Alors, lubrifiant, j'en ai fait tout à l'heure. Ça, c'est sûr. C'est quoi ça? Dépôt de sel, non. On va mettre ça là. Minerai d'argent. Ah ouais, ça, ça me prend de la place par contre. Je suis un pollueur, mais tant pis. Hein. Si j'en ai besoin, j'irai la chercher tout à l'heure. Alors, du quartz, non. Recycleur, conserve l'oxygène en plongée profonde, absorbe le CO2. Fil de cuivre, j'en ai, lubrifiant, la pile. La pile et le titane. Mais je sais pas où j'ai mis la pile. Ou j'ai déjà utilisé peut-être.
J'ai fil de cuivre. J'ai de l'or. On a dit. Faut que je fasse une pile et du titane. Bon, j'ai peut-être ce qu'il faut pour faire une pile. Hein. Du titane? Ouais, du titane. Du titane, j'en ai. J'en ai. Non, c'est pas ça qu'il me faut. Il me faut une pile. Donc du caoutchouc. Ah merde, c'est pas ça. Pile. Minerai de cuivre et du champignon acide. Ouais, du champignon, j'en ai. Elle a partout les champignons. Hop, on y va. Un bec. Et voilà. Nickel. Donc du coup, il faudra faire super attention. Des pylônes. Ouais. C'est du minerai de cuivre et des champignons acides. Okay. Bon, à niveau haut. Niveau haut, j'en ai. Mais pas encore énormément. Ça j'en ai au cas où. Tu vas peut-être m'en fournir un quand même. Ouais, nickel. Je me fais croquer toutes les 2 minutes. Nickel. Lui par contre, est-ce que je peux l'assigner? Voilà. Ça, c'est bon. Et je voulais lâcher le machin là qui me sert à rien. Wow. Quand même. Bon. Du coup, pour explorer, ça va être mieux. Hein. On va déjà moins consommer de trucs. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Fais une petite sauvegarde. Voilà, au cas où. Ok, non. Pile. Ah d'accord, c'est pour changer les piles. Un peu de mal, hein. Alors, précédent suivant, sélectionner, annuler.
Ah, ils sont fins la nuit, hein. Ah là, il y a un truc. Je l'avais pas vu tout à l'heure. Alors le Cylide, qu'est-ce que c'est? B de véhicule à moteur, d'accord. Ah non, ça on l'avait déjà. B de véhicule, ok. Ça je l'ai pas encore. Je sais pas où c'est. D'accord. J'ai pas forcément besoin de la carte. Parce qu'on est en mode recherche. Musique qui fait plaisir. Comment je peux... Ah non. Je fais comment je pouvais mourir alors que machin il y a rien. Moi je vous comprends, vous avez pas compris, mais moi j'ai compris. C'est pour le titane. C'est chiant parce qu'il manque plus qu'un truc, je pourrais peut-être avoir des trucs à véhicule là, d'après ce que j'ai compris. Local scans show a nearby cave entrance, 90 meters, leading to an unknown environmental biome. Parle là. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ça, c'est joli, hein. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. The conditions in this cave support a microcosm of unique, possibly predatory life forms. Detecting an artificial structure somewhere in the region. Putain, je vais mourir, et merde. Tant pis. J'ai trouvé un truc super intéressant. Je suis mort, impeccable, super, nouvelle, c'est pas ce que je veux mais bon. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't want us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system and this grim looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. Ok. Enfin, je trouve le truc pour le vaisseau là. Je sais pas du tout où c'est. C'est un petit bonheur la chance en vrai. Du titane, je veux. Ça va, ça arrive pas mal quand même. Hein.
Enfin, le jeu il est vraiment monstrueux, même sur Switch il est monstrueux. Il y a rien à dire. Je pense que vous trouverez d'autres vidéos sur Xbox. Et là sur Switch il est quand même beau. Bon, il y a un petit peu de clipping mais ça va, c'est pas chambé. On sent qu'il y a des hexagones et tout, mais bon, voilà, faut pas oublier, on est sur Switch. Quelques freeze. Donc là, je cherche où pourrait être la troisième partie du vaisseau. Il va falloir que je remonte à la surface. Attends, après quand je vais avoir un pétard je vais pouvoir tout niquer. Plonge. Ah, là il y a des boîtes. Peut-être que. Il était assez chambé tout à l'heure. Peut-être qu'il n'y a rien. Ça veut pas dire que je puisse le construire, je pense pas, hein, le Simos là. Ah non, parce qu'il me faut la baie, je pense qu'il faut la baie véhicule ou je sais pas quoi là. Donc je trouve pas le truc de la baie véhicule, c'est mort. Oh là, le clipping là, il était joli là. Je trouve de la nourriture aussi tout à l'heure. Ah ouais, c'est cela là. Ça a prendre ou ça a laissé fragment de bioréacteur. Intéressant ça. Plein de trucs par là. Plein de trucs sauf ce qui me manque. Qu'est-ce que c'est que ça? Œuf de créature. Ouais, pour l'instant, je vais pas faire la collection d'œufs de créature. 30 seconds. Mais non, on va pas mourir. Oh, le jump que j'ai fait. Je suis un peu chiant, ouais. Pas grave. On est dans l'exploration. Capsule de survie, échouée près à 680 mètres. Par là. Apprends-le. Non, tu vas pas. Quand même. Attends, je suis devant, il ne veut même pas me prendre. Il se fout de ma gueule là.
Hop. Il y avait un truc là, mais je sais pas où il est. J'ai dû le perdre. Hop. Bon, j'ai perdu le truc de la capsule de survie là. On mange sous l'eau, ouais. On est des ouf, nous. Alors, prends un peu d'oxygène. Ça en fait zizir. Ah oh, putain, l'inventaire est plein. Ah oh, lui, il va me faire chier. De les transformer, j'ai pas envie de revenir au vaisseau là parce que je cherche le troisième truc. 30 seconds. Donc je vais manquer d'eau direct là. Les fameux pochons là. Ah là il y a un truc. Peut-être que. Qui sait. Le cyclide. Non je l'avais déjà ça. Ah c'est ça. Comment je me nourris là? Si je ne me nourris pas, je vais mourir. Merde. C'est ballot inventaire plan. J'ai encore le temps d'aller faire ça avant d'aller manger et tout. J'ai mon super vaisseau maintenant. Hop. Il est vraiment immersif le jeu. Vraiment prenant et tout. Tu vois pas le temps d'heure de jeu passer. C'est affolant. J'adore à mort. Casse-toi. Ah, quelques baisses de framerate, mais bon. Hop, allez. On va remonter. On redescend et puis c'est bon.
Allez, on y va. Ah, l'avantage d'avoir une grosse grosse bouteille de capacité là, tu peux vraiment te faire plaisir. En fait, c'est le début du jeu qui est un peu galère. Une fois que t'as tout trouvé, c'est bon. De toute façon, la capsule elle est explosée, faut pas chercher à le. Du coup, on va rentrer, on va essayer de se faire un truc de sauvegarde là. Tranquillement. Ouais, c'est tout dégueulasse là. Un truc de dingue. Donc là, il va manquer de l'eau. Je vais retourner pour l'eau après. Ça qui manquait, ça je vais pouvoir stocker un petit peu tranquillement. Tranquillement. Allez, c'est parti. Après, on va aller manger. Il faut bien le nourrir. Donc là, j'appuie sur moins. Du coup, j'ai ça. Ah. Déposer. On va essayer de l'ouvrir. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ouvrir le stockage et on va stocker. Voir ce machin, un truc, hop. Tranquille. Voilà. Du coup, normalement, j'en ai trois. J'en ai une là, ouais, j'en ai une là-haut. Nickel. Puis quand j'aurai trouvé ce qu'il faut, pour l'instant, je sais pas ce qu'il faut. C'est bon. Pompe air flottante, non, ça c'est bon, j'en ai pas besoin. Ouais, je sais. C'est prévu. Allez, on va chercher, on va à la chasse. Chercher le pochon là. Ouais, tube de corail. Tant que je confonde pas. Ah non, ça c'est bien un pochon, ouais. L'autre. Voilà. Oula, je sais pas ce qu'il y a eu là-bas, mais c'est ouvert. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais c'est ouvert. Non, non, c'est pas le moment. Casse-toi, toi. Ça fait 3 bouteilles d'eau. Je sais pas ce qui s'est passé, mais le truc tout vert là, c'était bien dégueulasse. C'est vraiment tranquille, hein. C'est chill total là. Oh putain, mais casse-toi toi, allez viens par là. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, mais là il va falloir que j'y aille. Faut que j'y aille là, j'ai pas le choix. Et après il va falloir que je me nourrisse.
sais même pas si j'en avoir assez de 5. Super. Vital signs stabilizing. Bon, bah 5, voilà, ça fait 100, c'est nickel. Maintenant, on va chercher à manger. Puis on va chercher d'autres pochons aussi, pour être tranquille après. Là, il refait jour, donc on va être un petit peu moins embêté. Normalement. Là, il y a un pochon. Hop, là, je veux pas qu'on l'attrape, hein. Dommage. Je sais pas ce que c'est les bruits là, mais truc de truc. Ah, c'est peut-être le vaisseau qui est en train de péter. Je me disais aussi, peut-être. Vraiment joli, hein. N'hésitez pas à le prendre. Là, je cherche de quoi me nourrir. Bientôt, je vais avoir faim. Pareil, la baisse de framerate. Putain, sur Xbox Series X, il doit être monstrueux. Si j'ai pas assez d'eau là, j'en aurai jamais assez là. Je l'ai vu là. Voilà. Ça va, lâchez-moi un peu. Hein. Quoi, rôdeur? Non, je l'avais là. On va remonter. C'est parti, on continue. Piège à gravité. 1 sur 2, d'accord. Casse-toi là, lâche-moi un peu. Je suis en pleine chasse, tu vas pas m'embêter là. M'embête pendant ma chasse. Là, c'est si t'arrives à ce moment-là là, de la vidéo, c'est vraiment chill, hein. Parce que là, je suis en train de me nourrir. Donc, je chasse des poissons. Tranquillou, je prends pas de risque. On est en pleine survie. Et j'ai soif et j'ai faim. Enfin, là, j'ai surtout faim. Quoi. Allez, on va essayer de voir ce que ça donne. Ça, on fait de l'eau. Si on a encore besoin. Putain, j'avais pris combien de pochons ? Bon, j'ai fait la chasse aux pochons alors.
ça c'est un peu galère par contre. C'est le mauvais côté. C'est vraiment le mauvais côté ça. Mieux ça serait de tout mettre pour être tranquille quoi. Piège à gravité, paix à véhicule mobile, ouais. Du coup, pour l'instant je suis coincé quoi. Comme il manque un truc là. Et voilà. Je suis full, maintenant je peux retourner à mes occupations. Je vais vite là. Il s'est passé quoi là? Tout à l'heure j'allais tout doucement, puis là maintenant j'ai trop vite. De faire des caisses, tu pètes un boulard parce que du coup tu reviens toujours sur la même caisse et tu crois que tu les as pas faites. En fait oui, tu les as faites. Là non, y a rien. Y a bien quelque chose quelque part quand même. J'ai pas envie de faire les grottes là tout de suite, je pense pas que ce soit tombé dans la grotte. C'est beau ça. Je sais pas ce que c'était. Donc on cherche tranquillement. Et casse-toi, je te dis. Oh non. Ah oui d'accord, non on va éviter. Peut-être pour ça que je suis mort tout à l'heure. Je ne trouve pas ce que je veux. C'est pas normal. Ouais, 2 minutes. En plus j'ai mon interventaire plein, hein, comme ça je suis tranquille. Je sais même pas si ça se scanne ce machin là. Bah non, ça a pas l'air de pouvoir se scanner. Hein. Et là, chez moi. C'est pas pour autant. Il y a des débris partout mais je trouve pas ce que je veux. C'est vraiment immense. Hein. C'est quoi ça? Oh là là, il va me tuer lui.
Il est pas méchant, mais il veut me tuer quand même. Et pour l'instant, j'ai pas été super loin. Je reviendrai. I will be back. J'arrive même pas à voir la capsule. Nickel. Je pense qu'il va falloir que je refasse une ça quoi. J'ai pas le choix. Ça me servira après. Pour l'instant, on reste comme ça. Là, plus j'ai de l'eau, j'ai pas faim. Et on repart, prendre un peu d'oxygène. C'est bon. Il peut être où ce troisième débris là? C'est un sketch hein. Plein de détresse, ok. La baie de véhicule, ouais. Falienne. D'accord. Ouais, 2 sur 3. Moi, je sais que ça soit sale de ce côté-là. Musique impeccable. Un petit coup de flipper et c'est bon. Je pense pas trouver mon bonheur là-dedans, mais bon. Peut-être trouver autre chose. Ouais. Oh là là, c'est joli, hein. C'est joli. Oh merde. Ah ouais mais non. D'accord, je sais ce que c'est. Mais non. C'est les fameux volcans. D'accord. Je pense qu'il va falloir une combinaison spéciale pour aller là-dedans.
Finalement, j'en trouve une et il n'y a rien dedans. Pas comme si j'allais en trouver une avec quelque chose dedans. Je crois que j'ai déjà fait celle-là. Il me semble. J'étais pratiquement à 100 mètres, hein. Ça c'est badass, hein. Franchement, archi badass. Je sais même pas combien il est mon truc. Visite comme ça en touriste, mais je sais même pas. Donc là, je fais tout avec ZR, hein. Tranquille. La salaison, je verrai ça plus tard. Pour l'instant, c'est pas trop le problème. Le problème, c'est vraiment de trouver le fameux troisième truc. Fameuse troisième boîte. Ça c'est joli, hein. Je pense qu'elle doit être autour du vaisseau, mais et que je m'éloigne un petit peu trop. Et on est qu'à 55 mètres, hein. On peut plonger encore plus bas là. New creature discovered. Ok. J'ai même pris un nouveau poisson en même temps. C'est magnifique. C'est beautiful. J'entendais des trucs mais je sais même pas. Ah ouais c'est ça. Il va falloir que je change de pile par contre. Non. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Oxygen. Je crois que je vais encore mourir. Bah ouais. J'avais pas vu le truc. Dommage. C'est chiant de mourir tout le temps là. T'imagines, tu fais le jeu avec une seule vie. Oh, laisse tomber, t'as déjà perdu là. Vraiment badass. Donc là je manque de nourriture je crois, mais du coup est-ce que j'ai ce qu'il faut, ce qu'il faut? Non. Ah oui, j'ai un petit poisson là, je sais pas, on va voir ce que ça donne. Il va falloir que je fasse une pile aussi. C'est quoi ça? Chair reptilienne ferme et peu grasse. Et du coup je l'ai plus parce que voilà. Je l'avais mais je l'ai plus. Ok super. Ça je suis à fond. Au niveau. D'accord. On y retourne. Du coup, on a dit. Non c'est pas ça. Ça devait être A, non? Donc B pour l'enlever. Voilà, c'est ça. Nickel, j'ai remis une nouvelle batterie. Je peux pas le récupérer quand c'est.
Ah si. Un peu bizarre pour l'attraper quand même. Tiens, viens, je t'attrape avec un autre. Bon, maintenant, il faudra que je trouve vraiment la dernière boîte là. Où est-ce qu'elle peut se trouver? Parce que je préfère chasse, pêche et tradition toute la journée, quoi. Oh putain, vous dites pas qu'elle est là. Non, c'est le sigil, je l'avais déjà ça. C'est démerde-toi Maurice, voilà quoi. Vraiment ratisser tout pour être. Bon, c'est pas grave, tant pis. Par là toi. Je crois qu'il veut pas que j'attrape. Putain. 30 seconds. Ah ouais, terrible ça. Pour les cailloux qui me donnent rien mais. Je commence à avoir un peu peur mais c'est pas non plus la mort pour le moment. Et comme il y a pas mal de clipping, pour trouver la caisse comme ça en prenant que de la hauteur, c'est un peu compliqué là. Il est en train de m'endormir le poisson là. Je vais y arriver. Hein. Non, je peux y arriver. Tu peux éviter. Je sais pas si ça on peut les prendre. Ouais, je crois qu'on peut les prendre ça. D'accord. C'est ça les fameux tubes de corail. Je sais plus pourquoi il en fallait mais. Putain, j'ai vraiment du mal là. À saisir le truc, bon tant pis. On trouvera ailleurs, il y en a là en plus. J'ai senti venir celui-là. Je cherche toujours la troisième partie. Je pense que ça va débloquer pas mal de trucs. C'est joli. Ça va changer. Oh, carrément il glisse. Là je vais pouvoir récupérer ça maintenant dedans.
je viens de me faire bouffer. Je croyais avoir pris plus de poissons que ça. Pompier, non, ça j'en ai toujours pas besoin. Canard, c'est bon. Outil de repérage, non. Fusée éclairante. Canon à propulsion, ouais. Découpeur laser, ouais, mais faut les ingrédients, quoi. Ok. Tant que j'ai pas les ingrédients, je ne peux rien faire. Je sais pas si je peux pas fabriquer un. Ah oui, je peux en fabriquer un. Nickel. Allez. Bon, ça n'a pas le choix de stocker comme ça. C'est un peu manouche, mais bon, c'est pas le choix. Et on va mettre tout ça là-dedans. Ça aussi, tout ce que je peux mettre dedans. Voilà. Et à nous l'excursion. Oh, c'est quoi ça, c'est à moi ça? Oh putain. Moi tout ça, j'ai pas pris tout ça tout à l'heure. Un bug? Pas possible. Trop vite avec ça. Hop. Sachant que j'ai trouvé ça là. Ça, je l'avais déjà fait. Ah merde, il y en avait un dedans. Oh là là, depuis tout à l'heure, je tourne dedans. Alors qu'il était là. Je te promets. Je pense que ça va changer pas mal de choses là. Le petit défunt et hop là, impeccable. Allez, on va retourner là, on va voir ce que ça donne. Je sais même pas ce qu'il faut, on va voir. Hop là. Hop, il faut quoi? Une batterie haute capacité et du lubrifiant. Du lub j'en ai, c'est sûr. Alors une batterie haute capacité, je me pose si j'en ai. Je crois pas. Sinon on va en faire une. Hein. Il suffit de savoir ce qu'il faut. Après j'ai un petit peu de tout, donc il y a possibilité de certainement faire quelque chose de propre pour une batterie haute capacité. J'ai pas mal de quartz. Ça va prendre pour l'instant. Caoutchouc en silicone et deux piles.
champignons acides. Ok. Et du coup il me fallait du caoutchouc je crois. Mais je crois que j'en ai aussi du caoutchouc. Mais alors où? J'en avais fait, c'est pas là. C'est pas là. C'est pas là, il y en avait un qui traîne. Ouais, il y en a encore là, putain. J'en ai partout en fait. C'est peut-être pas du caoutchouc en vrai. C'était des lingots de titane. Le caoutchouc, ça doit pas être super complexe à faire. This is LifePod 3 uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide. So if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. Tu veux changer silicone, il faut des graines. Des graines. J'en ai plus là, je crois pas. Si là. Putain, tout ce que j'ai. C'est ouf. Et voilà, normalement j'ai ce qu'il faut. On a pile haute capacité. Non. Ah non, il me faut une batterie haute capacité. J'ai oublié. Et voilà. Putain, les stocks, hein. Ça c'est propre. Au bout de 3 heures de jeu, on arrive à avoir quelque chose de propre. C'est vraiment de la survie. Hein. On perd pas du temps, mais le fait de survivre. Du coup, bah, je meurs plusieurs fois et tout. Libérer la baie à véhicule. Ouais, on va le libérer. Mais... J'ai un problème avec ma belle véhicule. Elle veut pas s'ouvrir. C'est un truc de dingue ça. Pourquoi elle veut pas s'ouvrir cette conne? Ah, elle est pas mal celle-là. C'est un bug du jeu là. Bon bah je sais pas pourquoi il veut pas. Ah je sais pourquoi. Je fais déposer. Non déposer. Je vois pas là.
Ah non, mais je sais pas pourquoi il veut pas s'ouvrir. Celle-là, elle est pas mal. Parce que j'ai pas les pièces du Simos. Je ne sais pas. En tout cas, mon truc ne va pas se déployer. Pour qui, pourquoi, je n'en sais rien. Eh bah tant pis, il veut pas, il veut pas. Pourtant j'ai tout bien fait, hein. On va pas mourir tout de suite, oh, pas déconner non plus. Donc j'ai réussi à avoir un truc, mais je sais pas à quoi ça sert. Là, ça. Piège à gravité. Utiliser la gravité artificielle pour attirer les objets légers et les petites créatures. Une pile du minerai de cuivre. Ok, c'est cool. Je sais pas à quoi ça va me servir. Mais... j'aurais plus besoin du truc du Simos là, mais... j'aurais même pas l'avoir comme ça, non mais c'est un sketch. Et les pièces du Timo, je sais même pas où je les ai trouvées, donc comme ça. Je suis bien. Impeccable, tu me diras. Bon, ça fait déjà 3 heures. Hop, et on repart. J'aime bien l'exploration de nuit. Ah, là, il y a un truc. Pas ce que c'est. Et il est à 500 et les boîtes de mètres. Capsule de survie bas fond. 500 mètres, on peut le faire. On est large. Si on a soif, on fait une pause. Et je crois que dans mon inventaire, j'avais pas d'eau. Et du coup, on est dans la merde. On fait la mission et on revient. J'aime pas le bruit que ça a, terrifiant comme ça là. Je sais pas pourquoi. C'est chelou. Oh le délire. Vous avez vu la détonation là? Mètres.
Hop, on a trouvé une nouvelle capsule de survie. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Où? Ah, où? Tout ça pour ça, quoi. Mais... Ah, là, peut-être. Une boussole, là. Alors, boussole, qu'est-ce que ça nous donne? Salle multifonction, d'accord. Pompe à air. Échelle, bioréacteur. Voilà, on a eu des trucs, mais... Écriteau. D'accord, donc là, on a débloqué quelque chose. Je l'avais pas tout à l'heure. Mais j'ai pas de salle multifonction, donc ça va être un peu... Voilà. C'est pas ce qu'on veut. Hop. 30 seconds. Pas si ça se mange. Non, il a pas ouvert. Ah, inventaire plan. Oh, je vais pas mourir. Mon vaisseau est là-bas. Donc ce qui serait vachement bien quand même, c'est de trouver le fameux truc là. Non, mon inventaire il est pas en fait. Ça. Ah, le cycliste, j'avais déjà trouvé. C'est pas mal ça. Ouais, viens manger. Hein. Ah, pas à pigeon. Vraiment un excellent jeu, hein. Rien à dire. Subnautica, bon, les baisses de framerate, le clipping, j'espère qu'il n'y a pas ça sur Xbox. Je pense pas, hein, vu la puissance de la machine. Donc là j'ai pas poncé le truc à fond, mais à savoir si c'est... Ouais, je pense pas que ça soit un remake, juste un remaster. Non, ma plateforme elle s'est pas déployée, je croyais qu'elle s'était déployée, j'ai eu peur. Je sais pas pourquoi elle se déploie pas. Et on prend le kit. On a pas le kit? Non mais prends-le. Ah bah au fait, je peux pas. Donc. Ok. J'ai dû encore trop farm. Là, hop. Ah, une palme, j'en ai déjà. Pompe à air flottant. Oh, ça, je m'en fous de ça. Et du coup, c'est le... Ah, la pile avec le piège à gravité, d'accord. Pour l'instant, ça me m'intéresse pas. On va prendre de l'eau, on va prendre du poisson. Il va me falloir de l'eau aussi. Ça, je sais pas ce que je peux en faire. Graines de scrutin. Est-ce que ça va servir après? C'est une bonne question. Oh, j'en pose partout.
Ça va être sympa tout à l'heure. À déposer, ça se passe, ça se passe comme ça, tu vois. Non. Hop, et on dépose tout ça. Le truc de scrutin, je vais m'en débarrasser. Une belle graine, voilà. Et voilà, bon, on va se laisser là pour le premier épisode. Ça fait déjà 3 heures qu'on joue ensemble. Moi, franchement, je kiffe Subnautica. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vraiment un excellent jeu. Prenez-le si vous savez pas quoi. Il est disponible à 29,99€. 3 heures qu'on joue ensemble. Donc, c'est vraiment de la survie. J'ai pas vu les 3 heures passer, c'est vraiment excellent, joli graphisme et tout, il n'y a rien à dire, sachant que le jeu était déjà disponible en 2014 hein, sur différentes plateformes, donc voilà quoi, il est ressorti sur Switch, et en plus là, bon, le désavantage c'est qu'on n'a pas des graphismes super bien, par contre on est en mode portable, donc c'est à dire qu'on peut continuer l'aventure à gauche à droite sur notre Switch tranquillement, et sachant qu'il y a Subnautica Below Zero qui est aussi disponible sur Nintendo Switch, donc il faut en profiter quoi. Je vous dis à la prochaine sur Agatha TV, on se retrouve prochainement pour un épisode 2. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.